bien, salut tout le monde, c'est Jean-Fils, celui qui mange les Heaters. Oh, petit déjeuner. On se trouve aujourd'hui sur Minecraft pour notre survie hardcore épisode 27. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, j'ai prévu quelque chose aujourd'hui. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire, mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer l'usine à faire. Car oui, on avait un défi de faire l'usine à faire. Est-ce qu'on le voit d'ici? Je ne sais pas. Ah, il est là. Il est là. Ouais. Donc on va essayer de faire une usine à fer aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on aura le temps, mais au pire, on débordera un peu sur le temps, ou alors on fera la suite dans un prochain épisode. Donc voilà. Alors, je vous explique. Pour faire une usine à fer, il me faut des villageois pour faire spawner des golems de fer. Ces golems de fer qui vont ensuite être tués pour récolter du fer. Pourquoi il me faut du fer? Parce que j'ai 51 blocs, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est rien du tout pour ce que je veux faire plus tard. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire l'usine à fer. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est avoir des villageois. Il y a une mise à jour. Enfin, on peut plus faire... baiser des villageois entre guillemets comme à 1.7, parce que à 1.7 c'était extrêmement facile de faire reproduire des villageois. Voilà, j'ai retrouvé le mot correct, reproduire, voilà. et voilà, et donc là il n'y a pas vraiment de grosse solution en 1.8 pour me faire reproduire, donc je me suis pas fait chier. Je me dis bon, je vais prendre des villageois d'un village. J'étais voir les villageois du village par là, il n'y avait pas assez de villageois. Le premier qu'on avait vu là, il y avait juste deux villageois. Et j'étais voir au troisième, où il y avait assez de villageois. Donc on va chercher des villageois. Sauf que les villageois c'est loin. Et il faudra les ramener. J'ai envie de faire l'usine à faire un peu par là. Il faudra les ramener par là. Donc ce qu'on va faire, on va les faire venir avec un chemin de fer. Mais le chemin de fer, ça coûte beaucoup de fer. Mais j'ai la solution. On va faire un duplicateur de rails. Voilà, donc je sais, j'ai testé, ça avait marché. Donc j'ai mon duplicateur de rails juste à côté de moi. Donc je vais prendre le stuff qu'il me faut. Donc on va faire un duplicateur de rails. Comme ça, pas besoin de payer trop cher, vous voyez ce que je veux dire. Donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Il me faut de la whetstone. De la touche de la whetstone. Il me faudrait une cobblestone. Voilà. Comme ceci. Donc on a un levier, une torche de redstone, une glace, du petit piston. Et je crois que c'est tout ce qu'il me faut. On va prendre quand même un bloc pour faire le petit système. On va prendre ça, allez. Voilà, et je ne sais pas du tout où je vais faire ce petit engin. J'ai envie de dire ça. J'ai une idée les gens. Écoutez, bon, déjà, enfin, c'est bon, j'ai mon lit sur moi. Comme ça il va faire nuit, on va pouvoir dormir. On va aller faire le petit truc dans la maison, parce qu'on l'utilise jamais. Donc cette fois-ci on va faire quelque chose à l'intérieur. Voilà, quelque chose d'intéressant. On va faire quelque chose à l'intérieur. Voilà. Donc où est-ce que je peux la faire? C'est pas une usine très grosse. Enfin une usine, c'est pas vraiment une usine. Est-ce que je la fais où? Est-ce qu'il y aura la place pour la faire ici? Ouais, je crois qu'il y aura la place pour la faire ici. Par contre, il faudra enlever tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Ah non, voilà, nickel. Parce que je me disais, s'il y a quelque chose en dessous, je suis mal. Ah, quoique, attends. S'il y a quelque chose en dessous de ça, c'est pas très bien. Ah voilà, nickel. Parce que je savais pas s'il y avait un étage ou je ne sais plus quoi. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre voilà, un truc comme ça. C'est pas du tout mon système, comme ça je le dis. Voilà, vous mettez un bloc par dessus. Ensuite vous faites venir comme ceci. Ce que vous allez faire d'abord ici, c'est mettre un sticky piston comme celui-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Là, normalement, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Nickel. On doit mettre un bloc de verre. Et... ok, nickel. J'ai cru que j'avais pas la place, mais ça va. Voilà. Donc, c'est pas un système très compliqué, on dirait.
Et là, voilà. Ça fait ça. Mais, doué comme je suis, je n'ai pas fait de rail. Alors qu'il fallait en faire. Il n'y a pas une table de crafting ici, je crois bien que si. Là, voilà. Il faut faire des rails. Voilà, on a fait des rails. Et ensuite, on va faire des rails en or. Comment on fait ça encore? Ah, voilà, nickel. On va faire 6, voilà. C'est assez. Et ce qu'on va faire, j'espère que ça va marcher. Hein. En tout cas, ça marchait en créatif. Donc, ça, il n'y a pas. Voilà, ça devrait marcher normalement. On va mettre des rails comme ceci. Et normalement, si je fais. Non, attendez. Si j'active le système, ça fait ça. Et voilà, ça les duplique. Regardez. J'ai 8 rails. Et là, j'en ai 9. Vous voyez, ça duplique. Par contre, voilà. Si je fais avec des rails normales, ça ne marche pas. Il faut. Putain, vous ne devez pas entendre, mais. Il faut. Avec les rails normales, ça ne marche pas. Donc, par contre, je me demande quelque chose. Hein. Si je fais ça. Non, ça ne marche pas. Bref, ça marche qu'avec les power rails. On va pas se plaindre parce que justement, les power rails sont plus puissantes. Donc écoutez, je vais faire ça. Je vais en dupliquer masse parce qu'il m'en faudra beaucoup. J'ai les coordonnées du village sur mon petit truc ici. Les coordonnées sont à moins 660 et 200. Donc on est quand même à plus de, ouais, presque 800, hein. 800 blocs. Donc ça fait énorme. Donc je vais farmer des rails hors caméra. Donc avec ce petit système là. Donc voilà. Et voilà tout simplement. Ça va me prendre du temps, mais bon, tant pis. On va reposer des petites trucs comme ça. Merde. Voilà et voilà. Bon voilà. Bon, je l'ai fait dans cette maison parce que de toute façon il y avait rien. Donc voilà. Donc on se dit à tout de suite quand j'aurai farmé masse de rails. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je crois avoir beaucoup utilisé ce bug pour tout simplement me prendre voilà des power rails. Ça m'aurait coûté beaucoup en or si j'aurais crafté tout ça avec légalement, voilà, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai mes rails et on va directement se rendre à la maison. Donc voilà, je viens de dormir, je viens de passer la nuit et comme je l'ai dit, j'ai tout ça comme rails. Donc on va utiliser ces rails pour justement faire un aller-retour entre le village et l'endroit où je veux faire mon usine à fer. Donc on va faire ça ensemble. Je crois que la pose des rails, je vais faire un petit accéléré pour faire ça. Mais attends, je vais ranger ce que je n'ai pas besoin parce que j'ai un peu trop de stuff sur moi. Trop de stuff. Voilà, qu'est-ce qu'il me faut pas? Bah, des flèches, comme j'ai Infinity, il faudrait que je les range. Ouais, aussi, quelque chose que je devrais faire bientôt, c'est mon armure ici est bientôt scattée. Donc, on va devoir refaire une autre armure ou la repérer. Mais je crois que refaire une armure est plus efficace, je crois, je pense. Alors, avec tout ça de rails, bien sûr, il faudra les activer avec de la redstone. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire beaucoup de torches de redstone. Je ne sais pas du tout combien il en faut, mais on va faire pas mal. Allez, on va prendre ça. Là, on va faire 2 stacks de torches. Je crois que ça sera suffisant. Comme ça. Ça et comme ça. Et ouais, voilà. Bon, je vais garder des blocs de redstone pour moi parce que la redstone c'est cool. Je garde ça. Je vais prendre des blocs aussi parce que les blocs c'est cool, n'est-ce pas? Et je vais prendre encore des cobble. Voilà. J'ai 4 de fer qui ne me servent à rien. On les met là. Et je crois que j'ai tout. Hein. Attendez. Ah, ben non, j'ai pas tout. J'ai pas tout justement. Car il me faudra des minecarts pour justement faire bouger les villageois. Alors, comme ça on va. Oh shit, il se stack pas. Attends, je vais jeter ça.
Voilà, comme ça j'ai mes main cartes. On va les poser là pour le moment. Voilà, on va garder deux. Et on va aller à l'endroit. Je pense savoir où faire l'usine à faire. On va aller voir ça ensemble, n'est-ce pas? Ah putain, je monte tout le temps par ici, par habitude, mais il y a juste une échelle juste à côté de mon entrée, donc je vois pas pourquoi je prends tout le temps ici, en plus que c'est plus compliqué. Mais c'est par habitude, parce qu'avant je venais tout le temps par ici, et voilà. Alors, c'est un peu sur la prairie là-bas, près du village en fait, le premier village qu'on avait trouvé. Épisode 2 je crois, ou 3, je crois que c'est le 2. L'épisode 2 de notre survie hardcore, je crois que c'était... Ça, on avait trouvé le petit village, mais vraiment le plus minuscule village du monde. Donc, alors, voilà, c'est ici, voilà, que j'aimerais bien faire. Il faut savoir qu'il ne faut pas, pour l'usine à faire, il ne faut pas avoir une porte en bois. Oh putain, j'ai postillonné en disant porte, c'est un truc de fou. Attendez, je lave mon écran, c'est assez dégueulasse. Je lave mon écran, ok. Donc, c'est ici que j'aimerais bien le faire. Il faut pas que dans les alentours de 50 blocs, il y ait une porte en bois. Car ça peut faire bugger tout simplement la machinerie. Donc ce que je veux faire, donc là on est en moins 155 et je vais me rendre en moins 660 et 200 en coordonnées. Ce que je vais faire actuellement, c'est une petite cage pour accueillir les petits villageois qui vont venir tout simplement, et je les bougerai plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est une petite cage. Oui, je sais, je suis méchant. En même temps, qui est gentil avec les villages PNJ? Sans déconner, on vole leur culture quand on va dans leur village, voilà. Qui n'a jamais fait ça, voler la culture d'un villageois? Voilà, bref, on va les faire venir par ici. Voilà, avec des rails comme ça. Par contre, j'ai pas pensé, mais il me faudra des rails en fer pour faire des tournants. Parce qu'on sait pas, vous voyez, regardez, avec des rails comme ça, je ne sais pas les faire tourner. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est problématique, ça. Mais je vais aller en chercher après. Donc ce que je vais faire, le village est là-bas très loin. Je vais faire un chemin de fer avec ça. Bien sûr, en n'oubliant pas de poser des torches de redstone. Comme ceci. Je ne sais pas combien elles allument. Attends, il faudrait que je compte. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 par 9 plus 9 plus 8 égale 17. Donc elles allument 17. Ok, donc il faudra mettre tous les 17. Non, il faudra mettre tous les 32 blocs. Voilà à peu près. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, ben, je vais commencer à poser ça. Je vais enlever juste le petit stack. Par contre, il faudra bien sûr enlever les fleurs comme ça. Voilà, donc là je vais aller en ligne droite, et quand je serai aux coordonnées moins 660, ben je, tout simplement, je pourrais, ben, tout simplement tourner, voilà. Voilà, donc là, bon, c'est pas activé ici, donc on met une torche. Voilà, donc il faut faire attention que tout soit activé, voilà. Donc je vais chercher des barrières en fer, à moins que j'en ai sur moi. Enfin, des barrières. Ah ben oui, j'ai des rails sur moi. Qu'est-ce que je suis stupide? C'est avec les shaders, on ne voit pas bien. Donc, écoutez, c'est parti pour faire un petit timelapse de ça, tout simplement. Et c'est parti.
Alors nous voilà bientôt arrivés au village. Voilà, donc j'aurais eu suffisamment de rails. J'avais peur que j'en aurais pas eu assez. Mais j'en ai eu. Et voilà, donc ce qu'on va faire, ben, c'est déjà terminer le chemin de fer. N'est-ce pas? Donc voilà. Le plus chiant en fait, c'est de poser des torches à chaque fois en fait. C'est ça le truc. Mais voilà, au moins ça nous fera une ligne automatique. Enfin, automatique. Il suffira juste de prendre la même carte et il faudra plus courir après, après le village tout simplement. Et comme ça, tu auras juste un petit chemin de fer comme ça qui pourra faire venir au village. Donc là, c'est le plus gros village que j'ai trouvé. Et en fait, il me faut une dizaine de PNJ, voilà, pour que l'usine à fer fonctionne. Voilà, donc alors. Ici ça va être compliqué quand même parce qu'il faudra mettre des PNJ dans des foutues main cartes. Et voilà, attendez, je vais juste faire un truc. Voilà, et ça comme ça. Voilà, alors ce qu'on va devoir faire, c'est de poser des... de mettre des PNJ dans des main cartes. Et là je viens de me rendre compte qu'en fait mes main cartes, j'en ai que deux. Et que j'aurais dû garder mon fer sur moi pour les crafter ici. Bon, bah, c'était un peu con cette histoire. Mais bon. On va déjà en prendre un. Donc, monsieur le PNJ, où es-tu? J'entends. Voilà, t'es là. Si tu pourrais. Voilà. On va le poser sur la. Le chemin de fer. On met un main carte. Et voilà, comme ça, t'es pris. Voilà, t'es pris au piège. On va prendre la main carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça. On va faire ça. Et on va aller avec lui. Ça fait extrêmement beaucoup de bruit. Donc, ce que je vais faire, c'est option. Voilà. Music Essence. Player. Ambiance. Créatif. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Mais on va faire. On va diminuer le volume tout simplement du jeu. Voilà. Donc, on va faire un petit aperçu du trajet, ce que ça prend. Voilà, on va essayer de pas de mourir, n'est-ce pas? Ce serait cool. Donc ici c'est la petite voilà, c'est la petite intersection. C'est quand même pas rapide hein, quand même. Bon, c'est quand même plus rapide qu'à courir quand même. Donc ça fait plaisir. Et surtout que les rails sont gratuites, ça fait encore plus plaisir. Donc voilà. Donc je vais devoir faire des trajets comme ça avec les PNJ pour les encaisser, je ne sais pas quoi. Enfin, les mettre dans le truc que j'ai fait. Et une fois que j'arriverai à un compte de 10 PNJ, je pourrai commencer l'usine à fer avec vous. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, putain, j'ai eu un bon réflexe de casser la rail. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ah oui, je crois savoir. Ah ben non! Toi, au revoir. Voilà, fallait pas me faire chier, désolé. On va casser ça pour éviter les bugs, les glitches et essayer de pas crever quand même. C'est à cause du mouton. Bon, ça c'est un peu chiant. Je vais pas m'amuser à mettre des barrières un peu partout sur le truc, sinon ça serait trop long. Mais attends. C'est plus activé parce qu'il y a plus de torches là-haut. Attends, je vais te faire pousser. Ok. Y a plus de rail là et maintenant bon tu partis sans moi mais j'arrive. Voilà, puis ici petit tunnel et on arrive dans notre prairie avec le village PNJ qui est là, le petit village PNJ. Voilà et je crois que maintenant je vais aller chercher les minecarts et je vais tous les faire venir d'un coup à ici. Voilà. Voilà, et normalement ils doivent tous venir s'encaisser ici. Par contre, pour les casser, j'ai pas envie de te tuer. Donc voilà. Et voilà, donc ça c'est fait. Le chemin de fer il est fait. On va sortir d'ici. Je vais sortir d'ici partout. Voilà. Et voilà, donc je vais aller chercher les main cartes. Et on se retrouve quand j'aurai fait venir tous les PNJ. Allez. Alors, bonjour monsieur. Hein? Bonjour monsieur. Hein? Bonjour monsieur. Hein?
Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour monsieur. Ok, donc on a notre, on a nos 9 villageois, donc vous allez rejoindre, vous allez tous rejoindre qui se trouve là-bas, d'accord. Mais monsieur est très impatient de vous rencontrer, monsieur d'accord. Donc écoutez, on va faire un périple ensemble. Oh non! Par contre, voilà. Oh, oh putain, ça a failli être le désastre. Allez, avancez, c'est parti. C'est parti, je vais juste prendre les rails qui sont ici. Voilà. Et j'y retourne. Allez, à tout de suite. No, 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 no. No, what the fuck is that? We have a small problem. Juste, il y a un problème. Bon, toi, dégage. Ah, ok. Il y a juste une petite troupe. Ah, ben non, ils se sont un peu éparpillés partout. Ok, il y a un problème. Le problème est que il y a quelque chose qui doit bloquer. Allez, retournez, vous. Toi, tu vas revenir aussi. Par contre, ça, c'est plutôt désagréable, ça que... Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va mieux marcher. On va voir ça. Ah ben non, ça ne marche pas. Eh hey hey, eh, attendez, je vais aller avec eux, voir ce qui se passe. Parce que là, on dirait qu'il n'y a que la moitié des villageois qui sont là, et pas les autres. On va voir ce qui se passe, pourquoi ils se bloquent tous. Bon, au pire, j'ai un minecart sur moi. Ah voilà. Pourquoi toi, tu te retournes? C'est quoi le problème? What the fuck? Ok, c'était peut-être dans le tournant qu'ils n'avaient pas bien réussi à rouler. Donc là, on dirait que ça va. Bon, vous voyez, ce petit mouton-là, il aurait pu être sur la voie ferrée et faire tout le désastre. Donc, je sais pas. C'est peut-être un... Bon, c'est problématique, mais je vais pas passer ici tous les jours. Donc, regardez là, ils arrivent tous. Je casse la voie. Oh, bordel. Non! 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 C'est une blague. Oh mon dieu, ça c'est à cause des moutons, hein. Oh my god. Bon bah je vais aller devoir rechercher les autres, hein. Allez, on se retrouve quand j'ai tous les moutons, j'allais dire, mais tous les villageois, allez tout de suite. Donc voilà, j'ai enfin terminé avec ces... Oh, PNJ, parce que... Ouh, ça, on dirait pas, mais ça fait plus de 45 minutes que je suis de village, pour les années du village à ici, ça commence à m'énerver quand même, parce que, si vous voulez, en fait, les villages, ils venaient, ils retournaient et tout, je comprenais pas pourquoi, il y avait tout le temps un mouton ou quelque chose qui bloquait la route, ça m'a bien énervé, surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont morts en passant dans le tunnel et tout, avec des glitches, hein, ça m'a pas fait plaisir, donc j'ai dû en reprendre des autres, et voilà, tout à l'heure, ils avaient fait une tour ici, donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est enlever... Oh putain, j'ai cru que je l'avais tué. Faut pas que je le tue en fait. Il faut je vais faire à main. C'est plus prudent. Ah, ben voilà. J'aurais eu une épée. J'aurais eu tué. On va être prudent. Voilà, on va être prudent, n'est-ce pas? J'ai pas envie de tuer mes PNJ. J'ai pas envie de refaire un trajet. Voilà. Donc, normalement, là, il y en a 10. Hein, si je compte bien. Attendez, on va compter après. Voilà. Au départ, ce que je voulais faire, c'était prendre des zombies villageois et faire des villageois, mais ça aurait été trop compliqué et beaucoup trop long pour faire 10 villageois. Alors là, putain, je suis full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. On a nos 10 PNJ et maintenant, on va pouvoir commencer... Non! Non, non, toi tu suis pas ton frère. Allez, non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous. Toi tu vas revenir, toi. Attendez, je vais reprendre mon fer. Toi tu vas revenir, je te dis. Comment je vais faire? Attends, je sais, j'ai une idée. On va faire ça.
Avance. Avance. Attends, on va faire comme ça. Voilà, on va le faire avancer là. Et on va le remettre à l'intérieur. Parce que toi, tu restes avec tes frères. Merci. Oh, oh, oh. Voilà, et on va casser ton... Comme ceci. Ah. Voilà, on a les PG. On va plus faire comme ça. On va faire comme ça, voilà. Comme ça, vous allez plus vous enfouir. Voilà. Donc, écoutez, je vais chercher tout le matériel qu'il me faut pour faire mon usine. Et on se retrouve tout de suite. Alors, pour commencer la construction, nous allons... on va le faire ici, allez. Pourquoi pas. Ici, c'est un bon endroit. Oui, allez. En plus, l'herbe est déjà enlevée. Donc... On va commencer la construction. Donc attendez, on va faire le coin ici. Donc on va faire ça un peu en l'air, voilà, pas trop. Et ce qu'on va faire premièrement, c'est faire un carré de 18 x 18, une plateforme pardon, de 18 x 18. Alors après avoir fait votre plateforme de 18 x 18, je rappelle, il faudra aller au milieu et faire un trou de 4 comme ceci pour bien sûr faire passer les golems et ensuite les faire tomber, voilà, et on ira les tuer à ce moment-là. Alors ensuite ce qu'on fait, on prend du bloc, je vais prendre ça et attendez. Ici, on va faire monter comme ça, de 3. Et ensuite, ici, sur les côtés, on va faire monter de 2, vous allez comprendre. Enfin, on vous fait comme ça. Et ici, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et vous allez faire ça tout autour. Donc voilà, après avoir fait cela, nous allons poser 40 portes dans les coins, donc 10 portes. Portes comme ceci, vous allez voir, on les pose comme ça. Ces portes en fait vont créer un village à cet endroit là et il faut bien faire attention qu'il n'y ait aucune autre porte en bois aux alentours de 50 blocs, je crois. Donc voilà, on va poser encore ici. Donc ça doit faire comme ça, voilà. Il m'en reste une en trop. Ensuite ce qu'on va faire, c'est mettre les sources d'eau dans les coins. Vous allez voir qu'il y a un problème ici. Vous voyez qu'en fait, il faut que nos sources d'eau aillent jusqu'ici. Mais pour cela, je crois qu'en fait... Voilà tout ça. Ah ouais, j'ai oublié. Il faut juste que je fasse des pancartes. Donc, vous allez faire une pancarte. Plusieurs pancartes, c'est mieux, je crois. Je crois qu'on va en faire encore, voilà. Comme ceci, on va monter. On va penser à dormir aussi. Voilà. Alors, et ce que vous allez faire, c'est des sources infinies d'eau. Mais attendez, si je me souviens bien, il y a quelque chose qu'il faut pas faire. Ah ouais. Il faut faire comme ça, je crois. Et ensuite, vous faites des sources infinies d'eau pour mettre de l'eau partout. Comme ça, attendez, je vais juste dormir avant parce que... On ne voit que dalle, voilà, on ne voit que dalle, on ne peut pas voir. Donc, je dors avant que les mobs ne spawnent aussi. Ça serait intéressant. Il faut faire attention aussi que les zombies ne bouffent pas mes villageois, ça serait chiant. Que ça arrive, voilà. Donc, bon, ici, je crois que je dois faire ça encore. Comme ceci, Non, continue, c'est bon. Ouais, et après vous allez mettre une source d'eau comme ça. Et je crois que si on casse ça après, ça va. Ouais, c'est comme ça. Vous allez faire ça comme ça, bon, j'espère que vous comprenez. Peut-être que non, peut-être que oui. Alors, on met comme ceci, dans un coin. Ah il fallait mettre les pancartes ici, je suis désolé, attendez. On met les pancartes pour éviter que l'eau ne tombe en bas. Faut éviter quand même. À savoir, les golems ne savent pas nager, donc ils coulent. Hein, donc c'est pas obligé de mettre des pancartes. Attendez, comme ça, c'est pas obligé. Puisqu'ils coulent, donc on va casser. Ah shit, je veux ma pancarte. Voilà, on retourne.
Et on continue ce qu'on est en train de faire. Voilà mon kiki. Dans le coin comme ça. Voilà. Comme ça. Après vous pouvez casser ça, les blocs qui sont ici. Parce que comme ça les grenades qui vont être ici, ils vont se diriger comme ça, voilà. Mais c'est très important de faire ce truc là, sinon ils vont pas glisser vers le centre, vos golems. Bon après je fais ce petit tuto entre parenthèses pour ceux qui voudraient le refaire chez eux sur votre map aventure à vous. Ou sur votre serveur tout simplement. Voilà. Ça c'est cassé et je vais remettre une source ici. Voilà et je casse les blocs qui sont là. Voilà. Alors ensuite ce qu'on fait c'est ce que je suis en train de faire là. Oui c'est très clair Jean-Fils. Au-dessus des portes vous allez rajouter deux étages si on peut dire ça comme ça. Enfin des blocs plutôt. D'ailleurs je vais manquer de blocs. Ouais parce qu'il faudra que j'aille en rechercher après. Parce que j'ai pas du tout assez de blocs. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Ah ben il me reste encore. Oh shit. On monte comme ça. Voilà. Bah, j'ai pas du tout assez de blocs. J'irai en rechercher après. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est un deuxième étage, voilà, pour qu'il y ait deux fois plus de spawn que ça. Bon, et après, il faudra déménager ces villageois dans une cuve juste à côté. C'est ce qui va être le plus dur, franchement. Il faudra que je les mène avec un par un, avec des main cartes. Ça va être chiant, je crois. Bien. Voilà. Oh, ben, il m'en reste plus. Et ensuite, vous allez refaire un autre étage, voilà. Donc, en gros, ça doit ressembler à ça, regardez. En bas, voilà, ça doit ressembler à ça. Et ce qu'on va faire après, c'est à hauteur des portes, on va refaire un étage avec des deux amygdales. Et voilà, donc on se retrouve juste après quand... Oh non, non, tu es tombé. Quand j'aurai fait la plateforme. Allez, à tout de suite. Alors voilà, après avoir rajouté une deuxième plateforme, voilà donc. Et ce que je vais faire maintenant, c'est mettre des stone slabs, donc n'importe quel slab, hein, que vous pouvez mettre ici sur les côtés. Pour tout simplement que les mobs ne spawnent pas. Je pourrais mettre des torches aussi mais je préfère mettre des petites stone slabs. Parce que comme ça sera un peu plus beau voyez-vous. Et bien sûr on va encore mettre de l'eau ici. On va faire la même technique qu'en bas. J'ai mis déjà les pancartes ici pour que l'eau ne s'écoule pas. Voilà. Donc on finit de mettre les petites dalles qui sont ici. J'en ai fait un peu trop. Voilà, et maintenant on va pouvoir faire les coins ici. Donc n'oubliez pas, on fait comme ça, on met 3 blocs n'importe quel. Parce que de toute façon, on va devoir les casser juste après. Ce qu'on fait après, c'est on prend nos pseudos. Et on fait des sources infinies pour que, voilà, ça s'écoule jusqu'au milieu. Comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, après, le moment le plus chiant, tu vois, ça va être pour poser les villageois. Mais j'espère que ça va aller. J'espère en tout cas. Et donc là, on met une source comme ça. Puis on casse les blocs ici, voilà. On fait pareil ici, dans les 4 coins. Voilà, et le dernier qui est ici. Voilà. Donc là, en gros, la structure est terminée. Ouf. Il nous reste juste une dernière chose à faire. Ça va être les villageois. Donc, on descend. Voilà, petit ascenseur. Donc en gros, pour ceux qui n'auraient pas toujours pas compris, les golems de fer vont spawner à l'intérieur. Là où il y avait l'eau tout simplement et vont descendre et on va pouvoir les buter pour avoir du fer à l'infini. Donc voilà ici aussi j'avais mis des dalles. En fait j'ai mis des dalles pour vous pouvez mettre des blocs solides hein, mais j'ai mis des dalles parce que pour économiser deux fois moins de trucs. Donc voilà. Alors donc voilà ça c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant
c'est l'emplacement pour mettre les villageois. J'ai envie de les mettre quelque part, je sais pas. Où je vais les mettre encore. Ah bah j'ai oublié de remplir mes pseudos, mais tant pis. Bah on va les mettre ici. Écoutez, voilà, ici. On va les positionner ici. Donc il y en aura 10 là. Donc je m'explique. On va déjà faire la cage. Ouais. Ici, ce sera une cage, ok. On est méchant avec les PNJ. Ce sera une cage. On va prendre les blocs. Attendez. Ah, il réfléchit. Comme ceci. On va pouvoir casser ça. Voilà. Voilà, comme ça. Et ici, on fait les petits trucs comme ça. On va mettre... J'ai pris des vitres ici. Pour qu'on les voie quand ils sont enfermés, les pauvres. Et... Il y a aussi... Ne pas oublier d'éclairer. Ici on peut pas mettre de dalle. Il faudra éclairer juste une torche, voilà. Et voilà, ça c'est fait. Tac 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 tac. J'allais recouvrir mais non, parce qu'on va devoir faire venir le villageois, bien évidemment. Ça va être chiant, je sais très bien. Donc on va faire un petit escalier qui mène tout en bas. Bon là je suis obligé de sauter. Ça va être le plus chiant, ça je vous le dis, ça va être le plus chiant pour moi à faire venir les villageois. J'ai pris une carte, oui. J'ai pas oublié, heureusement. Voilà. Bon, je crois que ça va aller en fait. J'espère. J'espère, hein. Donc, on va faire une petite barrière de sécurité ici. Au cas où, n'est-ce pas? Et... Ah putain, j'ai cru que j'avais oublié les rails. J'aurais été mal, mais vraiment. Ensuite, on va faire venir des rails comme ça. Et puis on va mettre des rails normales pour les faire venir ici. Ok. Et les rails ici, on va les faire venir jusqu'à l'emplacement des petits villageois. Et ici. Oups, je veux pas cliquer sur toi. On va faire ça et on va mettre ça, un rail comme ça. Par contre, il faut que je fasse quelque chose. Parce que sinon il va crever. Non, ne sors pas. Voilà, ne sors pas. J'aimerais bien que tu bouges un peu. Parce que ce que je vais faire, c'est remplacer ce bloc là par un bloc de verre. Voilà. Voilà, c'est fait. Et ensuite on va pouvoir mettre un main carte. Regardez. Ah oups, non, de ce sens là. Voilà, j'ai mis un bloc de verre pour pas qu'il s'étouffe. C'était chiant ça. Et voilà, il avance, attention. J'espère que ça va marcher. Normalement, ça doit être bon. Alors, est-ce que tu es bien rentré dedans? Oui! Yes! Alors, bah écoutez, je vais faire ça tout de suite. Je vais continuer à faire les 10 PNJ. Et on se retrouve tout de suite quand j'aurai fini de faire ça. Allez, à tout de suite! Pourquoi? Bah écoutez, j'ai pris tous les villageois qui étaient là et je les ai mis là. Est-ce que vous savez compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout à l'heure j'en avais 10. Où sont passés mes 3 autres villageois? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Ces villageois commencent à m'énerver, voyez-vous. Donc c'est plutôt chiant. Ce que je vais faire, je vais encore aller au village pour aller rechercher des villageois. Ça me fait plutôt chier parce que je ne sais pas pourquoi. What? C'est pas normal, c'est pas normal. Pourquoi? Regardez, il n'y a plus rien. Il y en avait bien 10 tout à l'heure. Je suis pas idiot quand même. Bon, il y en avait 10. Bon, en tout cas, c'est plutôt chiant. Je vais encore en chercher. Avant d'aller en chercher, je vais fermer l'ouverture ici. S'il fait nuit et qu'il y a des zombies, je suis dans la merde. Donc, je vais protéger mes villageois. Et on se retrouve tout de suite quand j'aurai vraiment mes villageois dans ce terrible trou. Non. Non, 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 non. Oh, bordel de merde. Oh mon dieu, les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai enfin réussi à mettre tous ces PNJ. Ça m'a pris du temps. Sans déconner, ça m'a pris du temps. En plus, il y a un PNJ qui a failli crever, vous venez de le voir. J'ai eu peur.
Ouf! On a enfin nos 10 foutus PNJ à l'intérieur. On va pouvoir casser ça. Et on ne pourra plus jamais revenir. Voilà. Comme ça, les zombies ne pourront pas spawner. Il faut mettre une torche ici, voilà. Pour éviter que ça spawn. À l'intérieur aussi, voilà, j'ai déjà mis. Donc voilà, ça c'est fait. Normalement, tout, si tout devrait bien se passer, ça devrait spawner dès maintenant. Bien entendu, je vais pas rester encore pour la vidéo parce que rien comme ça, la vidéo pour moi elle a duré plus de 3 heures à faire, même presque plus à peu près. Donc voilà quoi. Alors, ce qu'il nous reste à faire juste ici, c'est de faire un trou. Si je prends ma pelle, c'est mieux. Voilà. Il faudra faire un trou ici avec de la lave. Et tout simplement avec des hoopers en dessous qui récolteront les loot. Donc les golems de fer, ils drop comme les loot, leur loot à eux, c'est du fer et des petites poupies. Donc il y a des petites fleurs. Voilà, donc voilà, ça c'est fini pour cet épisode. Donc voilà ce que ça donne en fait l'usine à fer. Voilà, de loin. On va se mettre de loin. Voilà. Voilà, ça donne ça. En tout cas, je suis plutôt fier, j'ai réussi à la faire parce que ça faisait un moment que je voulais la faire celle-là. Et comme ça, ça me fera une source de fer, on peut dire en illimité. Seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas vraiment à côté de ma base. Donc pour quand je voudrais avoir du fer, il faudrait que je vienne ici pour en avoir. Il faudrait que je me mette à FK près d'ici, voilà. Et voilà, donc on va se mettre en F5, voilà, comme ça. Et on va se quitter pour cet épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode en ma compagnie vous aura plu. N'hésite pas à mettre un énorme like. Tu n'imagines pas comment cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire. C'est vraiment la vidéo qui m'a pris le plus de temps, sans déconner. Donc, sans déconner, mets un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Oh mon dieu! Et regardez ça, on a avec vous, j'ai avec vous un golem de fer qui vient de spawner. Ce que je peux voir, c'est que j'ai fait un petit... Il y a un petit problème. C'est que il a spawné là, alors qu'il devait spawner en haut. C'est un problème que je n'ai pas pensé. En fait, il fallait mettre l'usine un peu plus haut pour avoir ce problème. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est casser ça. Et voilà, je vais m'en occuper. Mais on a la preuve que ça marche. On a notre premier golem de fer. Et écoutez, on va essayer de le buter. Qu'est-ce que vous en dites? On va voir combien il donne de fer, ce petit bonhomme. Faut pas qu'il nous touche, hein, quand même. Attention, j'ai une fortune 3 ici. Ah oui, j'ai une looting 3, putain. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous a donné de fer? Il nous a donné 7 de fer avec une looting 3. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, en tout cas, voilà. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, des défis pour les prochains épisodes. Voilà, tout simplement. Et pour ma part, on se dit à la prochaine. Tchuss!